Ok les amis, on est reparti en live. Est-ce que ça s'est correctement lancé là? Est-ce que ça s'est correctement lancé Là? Ouais, ok, super. Je vais me mettre sur le gestionnaire, 2 secondes. Voilà. Hop là. Perfect. Putain, mais je peux lancer des raids directement et tout. Oh, c'est pratique. Hein. Le futur, c'est vraiment pratique. Ok, les gars, je voulais pas attendre plus longtemps. On va se faire la suite de Still Wake the Deep. Suite et potentiellement fin. Ah oui, aussi, on a changé la caméra. Hein. On est en intégration. Ah oui, oh, putain. Ah ouais, on était là. Ok. Alors, tu reprends les croix et noirs, je me suis dit. Bizarre. C'était où? Ah aussi, vous êtes des petits vénards parce qu'il faut savoir que bah alors le jeu est plus beau en stream que sur mon écran. Voilà. Je pense que c'est peut-être mon écran qui a des problèmes d'affichage. Mais tant mieux chez vous, le jeu est vraiment parfait. Oh putain de merde. Mon cœur était vraiment pas prêt, le son là. Donc attends, ça je peux pas déplacer tant qu'il y a du gaz. Elle est où la valve, frère? Ah! C'est ça? Il y a des valves partout. Oh non. Ah, j'espère qu'on va pas être coincé là-dessus, les gars. Si vous avez vu la valve, franchement, n'hésitez pas. Hein. Je ne dis pas non au backseat, personnellement. Alors. Pour moi, je différencie vraiment le backseat et le spoil. Ok. Donc, peut-être que je peux aller par là. Ouais, c'était par là en fait. Valve. Ah, elle est là, elle est là. Ok. Non, pardon, parce que moi, quand je vois du gaz comme ça qui gicle d'un mur, bon, bah, je fonce pas dans le mur, quoi, tu vois. Genre là, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être là que ça bloque. Non, c'était par là. Il y a des roues, mais oui, il y a des roues, mais comment ça peut lui prendre autant de temps, frère? Je veux bien, c'est lourd, mais quand même. Ok, salle des machines. Donc vraiment, la dernière fois, on s'est vraiment arrêté pile poil à la moitié du jeu. C'était parfait. Finley, Jesus, am I glad to see you. Aye, you know. Fucking Rennick nearly had me. He's changed, he's fucking vicious. Doesn't sound like he's changed much to me. Have you seen anyone else? Brody. He sent me down here to restart the Jennies. The generators, aye. That's where I was headed. But the lights are on. Like we're an emergency battery system, no. There's not got any hold for long. The beer is taking a lot of damage, the infrastructure's compromised. That's just brilliant. So how do we get the Jennies working? Right, well, first thing, get in that cabin over there and reset the protective relay. That might kick the Jennies back on. Go on, see what happens. Okay. Génial. Mais ça, vraiment, je vous jure, ça ne me fait pas peur. Ça, je trouve ça joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment beau. Ok, c'est par là. Hop là. Oh putain. Je sens mal.
On est où là? Ah, ya beauty. At least that works. Better tell Finley. Oh putain. C'est un monstre là que j'entends là. Non, c'est quoi ce bruit de merde? Oh. I work like a charm. Shit. The generator must have tripped because of a fault somewhere. Aye, and the relay will just keep resetting until we fix it. We'll need to restart the generator manually. Right, where you go then? There's two jobs here, McCleary. The Jennies and the fault. You deal with the Jennies and I'll find the fault. What the fuck was that? I don't know, but the generators are that way. Well, I'm no fucking going down there. Have you got a better plan? No? Aye, well, I fucking didn't think you would have somehow fucking got on with it. Aye, where you go then? Wesh, mais elle est folle celle-là. Ouais, t'inquiète, je t'aide à descendre si tu veux, hein. Tu t'occupes des générateurs. Oh, encore. Y'a tout qui part en couille dans cette station là. Hop là. Un premier degré, c'est joli. Genre vraiment, on pourrait faire un petit site touristique là. Ok. Tant que c'est des jolies billes, les gars, moi ça me va. Hein. C'est plutôt quand il y a les... Voilà, quand il y a des trucs comme ça. Par exemple. Oh putain, il y a un système... Aïe, 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 aïe. J'ai même pas fait gaffe. Attends. Non, mais là, ça me sert à rien. Là. Grimpe. Donc il y a un système d'objets à ramasser. J'étais même pas au courant. Bah c'était ça en fait qui nous bloquait tout à l'heure. Ok. Il y a un monstre. La salle. Jesus. On entend clairement les bruits d'un monstre, mais je sais pas s'il est dans la même pièce. Non, bon, on le verrait. Ils déplacent, tu sais, avec leur genre de tentacule là qu'ils attachent au mur. Il faut se référer à ça. En vrai, s'il y a un monstre dans la pièce, on peut pas en douter. Genre, ça se verrait direct. Ok. Oui, oui, oui. Bah t'es mort là. C'est quoi ce cri de fou là? Générateur. Quoi? Rien, y'a rien du tout. J'hésitais à couper le gaz carrément. Ok. Attends, parce que quand je touche ces trucs, ça me fait des dégâts des fois. Hein. Le jeu est beau. Hein. Par contre, vraiment, ça me surprend. L'ambiance est vraiment bien foutue. Non, ok. Tiens, prends ça. Attention, j'ai une arme. J'ai un petit marteau. C'est pour ça que je peux faire des dégâts en le jetant sur le monstre. Ou vraiment, premier degré, c'est que... C'est que pour la tirer dans une direction. Hein.
Je lâche le marteau. Hop. C'est par où là? Tout là-bas. Pouap, pouap, pouap. Ok, attends. J'ai même pas l'impression que ce. Ah si? Non. Non, 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 c'est pas par là. Ah les gars, s'il y a pas un monstre ici, frère. Il est là? Oh putain! Ah, il l'a reconnu! Il a réussi à reconnaître. Je t'entends? Oh, t'entends rien du tout, frère? Tu n'entends rien du tout? Oh là là, il fait trop flipper. Je sais même pas, c'est la première fois que je vais jeter un objet, je sais pas si je le jette très loin ou pas. C'est quoi cette merde là encore? Oh putain! Non, vraiment, échapper à ça dans le noir, c'est horrible. En plus, le... il est trop bizarre, le bordel, là. C'est trop dur de savoir dans quelle direction il regarde. Oh. Ah ouais, c'est dégueulasse. Par contre, il ressemble vraiment à un... un glitch graphique, le truc. Ok. Oh non. Oh non, il n'y a pas l'escalier de ce côté-là. Attends, je vais jeter le marteau là-bas. Oh super, ça a marché. Putain, mais ce pro-gamer, les amis. Tac, tac, tac. Ah ça va. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Alimenter les modules de la plateforme. Où? Vas-y. Marche pas. Dans l'ordre? Comment ça? Ah ouais, mais moi je suis pas un spécialiste, hein. Quel ordre? Ah celui-là là? Pump control 1. Pump control, c'est où? Master power. What? Directement là? Attends, accommoder. Non, ça marche pas. J'essaye tout. Ah putain, ils ont effacé ces bâtards. Ah, il y a écrit 1 ici. Là, c'est un 2 ou un 3, ça. Moi, je vais dire que c'est un 3. Là, c'est 2. Non, c'est pas ça. Putain, bande de bâtards. 1. 2. 3. Quatre. Ah putain. Un. Deux. Trois. Quatre. Et cinq, let's go. Génial, mais quelle bonne idée. Vas-y Darwin, passe une bonne soirée. Seen a deer. Oh, it's that prick. He's away in mud handling by the sounds of it. Listen, we are in business. We've gone for full power. To batteries. To sitting in the fucking dark. What are you all about? Oh, getting in a stushy is going to help us, is it? Just get that generator running. It's out on the floor. The key for it should be in there somewhere. I'll be out here looking for the fall. We'll be looking out for a deer as well, all right? Ok. Alors, redémarrer le générateur. C'est où ça? Ah oui, c'est... mais c'est là? C'est... j'y suis? Attends. Bah... et ouais. Non, I've not found the key yet. La clé. I can't start the journey without it. Tu vois une clé, toi? Elle est où, la clé? Elle est où la clé? Dans une armoire? Ah, c'est là! Ok. Cadal. Bon, et ben, c'est parti, hein. Tellement fort. Tellement fort le tournevis, frère.
Ok, bon, Adair n'est plus là, on dirait. Je me pète les jambes là. Vas-y. Ah, la mauvaise idée. Allez, 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 plus de bruit, plus de bruit, vas-y. Elle est tellement mortelle. Mais frère, y'a que moi qui suis... Oh putain. Faut aller où, là, faut aller où? Y'a quelqu'un, y'a personne, y'a personne. Je suis mort, je suis mort. Non, c'est bon. Dans le doute, j'ai pas voulu courir, genre. Mais wesh, mais pourquoi? Mais je t'ai fait quoi, frère? Oh putain! Il y a un objet quelque part, ouais, ici. Va là-bas. Oh! Non! J'ai fail! Comment je vais faire là? Mais putain, ça marche pas! Ça marche pas! Il l'envoie forcément au-dessus ici. Oh là là, mais je suis coincé. Oh, il a mis son... Vous avez vu, il a passé son bras là. Wesh, 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 wesh. Ah, d'ailleurs, je pense que j'ai baisé sa femme. Hein. Il y a un passif entre nous là. On peut pas passer par là. Oh putain! Pourquoi il a son bras là lui? Vas-y, détache ton bras là! Oh là là, est-ce que j'ai un autre objet ici? Il y a ça. Attends, je vais le jeter là. Ok. Oh, elle est où là? Ah non, mais il me suit même là, frère. Ça y est. Comme par hasard. Comme par hasard, il remonte. Jamais il est monté. Je ne fais que fuir. Il peut monter là? Je sais pas s'il me peut suivre au-dessus. Ah ouais, si, il peut complètement me suivre. Oh, vite, 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 vite. Oh, sa mère, c'est pas par là. C'est par là? Je crois pas. Oh non, ramasse ça, frère. Calme, calme, calme. Va là-bas. Bah, tu m'as pas entendu, espèce de gros bâtard! Va là-bas, on t'a dit! Hein? Attends, y'a un truc bizarre là. Oh, quoi? C'est quoi ça? Wesh, il est vraiment sur le truc! Mais. Regarde, il passe à travers! Mais quoi? Ah mais je crois que quand ils m'ont dit de courir, j'étais obligé de faire... Ah mais on n'est plus dans un moment d'infiltration là. Bon, j'ai perdu du coup. Hein.
Cours, 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 cours. Non! Il était pas là, hein. Il était vraiment devant la porte. Ah putain, j'avais pas compris que c'était scripté, qu'en fait ils ont fait exprès de nous faire marcher sur un truc qui fait du bruit. Et du coup il fallait absolument s'enfuir là. Je me suis dit bah du coup je me suis fait remarquer en faisant du bruit, faut que je me cache et puis je la tire autre part. C'est pas grave, heureusement ça nous a pas... Ça nous a pas tué gratuitement cette connerie au moins. Il est dégoûté. Ah eh ouais mon gars. Je savais pas pourquoi il veut nous buter ce con là. J'espère qu'on aura une explication sur la nature du truc qui nous en veut, mais. Je le répète, hein, la théorie du rêve, elle est pas déconnante. Genre tremblement de terre, on est tombé dans l'eau, on est tombé dans le coma. Et à partir de notre réveil, c'est que du bullshit, genre. Ça serait trop nul, mais il y a un monde où c'est ça. Alors. C'est par là. Il m'a suivi ? Je meurs là ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh putain ! Wesh ! Mais je suis mort là ! Mais si j'ouvre cette porte, il peut me tuer ? Mais je suis mort là, frère, comment... Genre, il va pas me rattraper. Ah, il s'est barré. Je peux ouvrir la porte, mais frère, c'est pas une bonne idée du tout. Ok, on se faufile. Ah putain, c'est pas un chemin ça. Mec, for the run. Par où, par là? Ah, ah, comment c'est chaud, frère. Ok. Ah, pour l'instant, ce qui nous a plus tué, c'est les vieilles phases de plateforme plutôt que les monstres. Hop là. Faut aller où là? Ok. Attends, mais comment? Comment on va là? Je suis pas sûr, hein. Si, ça doit être ça. Là, t'arrives là. Oh non. Ah non, c'était pas ça. Ah, fuck. C'est comment alors? Y a une carte? Non. On transporte pas de carte, hein. Ah, fait chier. Attendez. Je vais faire un truc. Moi, je suis pas très fan. Repère jaune, oui. Indice, voilà, affiché. Confirmé. Comme ça. C'est quoi? Voilà, comme ça, j'ai pas à spammer la flèche à chaque fois. Alors... Ça peut être que ça, hein. Bah, il monte. Ouais, ok. Des fois, je me dis, il veut pas. Tac. Une fois que t'es là. Il y a une porte, là.
Ah mais je reviens en arrière. Mais pourquoi je reviens en... Qu'est-ce que j'ai mal fait? Attends, mais ça sert à quoi de dire... Et non, ils me disent d'aller là maintenant. Bon, je comprends rien. Attends, si un coup... un coup, le point, il est tout là-bas, frère. Un coup, c'est là. Là, c'est bien par là, on est d'accord. Ok. Oh putain, encore! Mais c'est un forceur, lui, c'est abusé! Ah, il force trop avec moi. Comment on va faire? Il est où? Oh mon dieu! Oh le con, le con. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh putain! Franchement là faut y aller en mode YOLO j'ai l'impression. Ah non c'est bon, heureusement il y a des petits chemins comme ça. Ok. Hop, on ramasse ça. Pourquoi il n'y a pas de sortie ici? Parce que c'est des bâtards. Hop là. Je sais même pas si c'est là qu'il faut aller. Si, si, oh putain, comment il s'est populé. Oh putain de merde. Ok, ouais, bah y a pas de doute, c'était bien là. Oh mais regarde-moi ce démon là. Allez, montre un peu ta gueule à la caméra là, vas-y. Putain, mais en fait, quand la lampe torche pointe sur le monstre, elle déconne à chaque fois. On n'arrive pas à bien voir ce que c'est que cette merde. Mais comment il a reconnu son collègue de travail? Franchement, il a vu ça, il a dit, mais c'est Adair! C'est vraiment les skills sociales, ça. Les skills sociaux, plutôt. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Je fais quoi, là? Réinitialiser le relais de protection. C'est où? C'est quoi? Ouais, casse-toi, casse-toi. Voilà, va tuer d'autres personnes. Ouais. Oui, allô. 6, c'est quoi? Ponton. Finley. Cat? No, it's Brody. I thought it was Finley with the lights coming back on. It worked? Oh, thank Christ. Finley was here, but we get separated. You alright? Aye. The rig is me though. We're starting to sink. You kidding me? How long till it goes under? Soon, if we do nothing. Look, I need you to come down to the pontoons. If we engage the tension when she's in all four legs, we can buy some time. What's the point? The pontoons, the electricity, they fucking things. It's a fucking nightmare. What are you on about? You survived this long, haven't you? More than can be said for most of the poor bastards on this rig. Christ, Kaz. Somebody up there must like you. That's what Roy keeps telling me. Aye. Well, he's a Barnsley fan, so he'll be used to praying. Yeah, you're no wrong there. I'm no wrong about it. Je sais pas c'est quoi ce club de foot, frère, mais putain, comment il s'est fait exploser. T'imagines, t'es vraiment fan de ce club, tu joues au jeu, putain, t'as rien demandé, frère. You engage the winches in legs A and B, and I'll do the others. Easy. There's a direct route down from engineering. Hi, alright. I'll find my way down. Mais il est encore là, lui, regardez-le à droite, là. Oh là là! Le forceur du siècle! Redémarrer le winch de tension. Allez, go. Mais c'est vrai que tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien, les gars. Hein. Je sais pas, il faut se trouver une barque, ou construire une barque de fortune, ou quelque chose, mais... Vraiment là c'est...
Quoique c'est vrai que du coup, bon bah la station elle survit un peu plus longtemps et peut-être qu'il y a de l'aide qui va venir. Mais est-ce qu'il n'y a pas de moyen de contacter l'extérieur? Genre personne s'est posé la question, on contacte l'extérieur ou un truc comme ça? Colonne... J'allais dire colonne A, colonne A. Ok. Là on avait vu qu'il y avait un monstre. Le monstre était là en bas. Ok, extincteur. Où est-ce que je trouve un extincteur? Ici. Hop là. C'est bien, c'est bien. En vrai, la sécurité de la plateforme est plutôt respectée. Voilà. Est-ce que même... pourquoi? Ah oui, parce qu'il y a une échelle. Touk, 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 touk. Bon, heureusement que le jeu est court, parce que franchement, il se passe pas grand-chose non plus. Hein. Je pense qu'en termes d'horreur, on est sur du... On est sur du très soft. Hop là! Je sais pas si tous les jeux d'horreur exploitent ce même filon, mais... Vraiment, ce qui me fait réagir, c'est le son qui monte d'un coup. Genre vraiment, bah c'est du jumpscare quoi. Ça pourrait être intéressant de mettre un moniteur cardiaque pour voir est-ce que je suis vraiment stressé ou pas, tu vois. Putain, mais ça serait trop bien ça, effectivement, en live horror, tu mets un moniteur cardiaque. Je vais noter l'idée. Mais là, pour vous dire, si j'avais un moniteur, il montrerait pas grand chose. Hein. Là, la flip est inexistante, je peux vous le dire. Ok. Ya! Allez! Pourquoi il veut pas monter? Des fois il veut pas, il faut insister genre. Hop là! Hop! Ah le con! J'ai maintenu la mauvaise... Je me suis emmêlé pinceau, j'ai maintenu la mauvaise gâchette. Je meurs que sur ça, vraiment. On meurt que sur les... Alors il vaut mieux parce que sinon je me chierais dessus mais... Oula, c'était bizarre ça. Hop là. Allez. Putain, le fameux jeu d'horreur Mirror Edge, frère. Ok. Comment il grimpe, wesh, c'est un singe. Qu'est-ce qu'il fait? Wesh, je regardais ses pieds, où ils sont? Ok, alors attends. C'est pas là. Oula. Ah, c'était plus haut, attends. Saute. Ah non, il faut passer sur le côté, là. Ok. Hop là. Ça, t'inquiète pas. Hop là, je suis un ouvrier qualifié, tout va bien. Tout va bien les gars. Bon, encore utiliser ce truc. Il y a un bouton là. Non, il n'y a pas de bouton. Ah ouais, mais... Il n'est pas très efficace en fait. Hein. L'autre, il a déjà fait une colonne. Ah merde, c'est ça qui a sauté. Comment on fait là? J'aime bien ce côté qui se déplace vraiment comme on se déplacerait nous à sa place, tu vois. Genre vraiment, il s'allonge. Il va pas faire à la Nathan Drake, tu vois, en mode je suis un équilibriste, tu vois. Prends aucun risque parce que souvent les
Dans les jeux vidéo, tu les vois faire équilibriste. En plus, il y a une époque où c'était à la mode de mettre le système. Il fallait pas que t'inclines trop sur le côté, sinon tu tombais, tu crevais, genre. Moi, j'étais en mode, mais frère, le mec, pour faire le BG équilibriste, il prend le risque de crever. Alors que vraiment, il suffit que tu te mettes en mode à quatre pattes. Ok, alors il me refaut un extincteur là, ou alors il faut redescendre. Je pense qu'il faut redescendre. J'espère que c'est ça. Hein. Que là le fusible ça le fait, on va voir. Ouais c'est ça. Oh mais putain! Oh là là! Oh la glissade de con! Non, les moments comme ça là, c'est vraiment de la merde, hein, si on est honnête. Oula! What? Ah non, faut pas refaire là! Oh putain, faut refaire! Ouais. Ah c'est reparti hein. Hop. Ok, mais là j'avoue, les contrepoids fonctionnent. Là si le problème c'est que c'était mouillé, je vois pas trop comment... Ouais, bon, écoute, on va voir. Faut juste pas se recasser la gueule quoi. Voilà. Et là, tu vois, c'est quand même mouillé, hein. Bon, on va voir. Bah, ça marche. Déjà, ça marche. J'ai pas fait le bon bouton, mais ça marche. Ah, ça va. Oh, il va remonter jusque... Pour se foutre de ma gueule. Ouais, d'accord. Il est vraiment allé tout en haut, comme par hasard. Vas-y. Non. Plus bas encore. Ah putain. Tu mets un coup en haut, il grimpe de 12 étages. Et pour en bas, il faut en mettre 3 de coups, genre. Allez, c'est parti. Vous l'avez le bug graphique là, il y avait un bug d'eau bizarre. Hein. J'étais très surpris de voir vraiment que ce qui est affiché dans le stream n'est pas ce que je vois sur mon écran de PC. Je trouve ça incroyable. Ok. On peut retirer ça. Bon, ils ont dit qu'il fallait faire deux colonnes. Franchement, j'espère que non. Hein. Une colonne, ça me suffit. Ah non, mais regarde, tout like B, ouais, il faudra en faire deux. Bon, j'espère qu'ils vont switcher un petit peu le truc. C'est ça? Right. See you on the other side, Kaz. Hope so, pal.
hope so. Ok, il y a de la nage dans le jeu. Low headroom. Hop là. Oh, salut mon frère. Ah, attends, je peux remonter où là? Ah. Combien de corps? J'en ai vu qu'un, personnellement. Mais des fois, je suis vraiment époustouflé. Le jeu, l'ambiance, les jeux de lumière surtout, sont vraiment impressionnants. Après, heureusement que le jeu dure que 4 heures. Hein. Parce que t'en fais quand même vite le tour. J'aurais préféré que ce soit un peu plus roller coaster que ça, tu vois. Ok. Mais il est con quoi, c'est trop grave d'être con comme ça. Il y a des monstres qui te pistent au bruit. Le gars ça fait 3 heures. C'est quoi cette merde? C'est quoi ce bruit? Vous allez voir les gars, tout ça n'était que dans notre coma. Là on entend une radio qui était à côté de nous, genre. Ça n'avait aucun lien dans l'univers, ça on est d'accord, c'était complètement déconnecté. Ah ouais, ça s'est ouvert ici là. Je te jure, si on est sur un lit d'hôpital, qu'il y a une radio à côté du lit, oh là là. Je serais déçu, hein, je serais déçu. Alors là, là c'est bizarre parce qu'il nous force à être très très lent. Ouais ouais ouais, il va se passer un truc. Je vais monter un peu le son parce que j'ai pas assez peur. Ah ! Allez mon gars. Ok. Ça me propulse vers l'avant ou pas là ? J'ai pas l'impression, hein. Je vais mourir parce que ça marche pas leur mécanique à la con, là. Allez! Mais je vais pas plus vite! Remonte. Je suis en vie? Ouais, je suis en vie. Ok! J'ai eu peur parce que j'avais pas envie de refaire la séquence, en fait. Ça me disait, fais ça pour aller plus vite. J'avais pas du tout l'impression d'aller plus vite. Trouver un passage, c'est ça là. Ok, il faut faire un tour. Oula, il y a quoi là? Ah, il y a un gars. Ah ouais, d'accord, il y a de l'eau derrière. Ça dit quoi là? Danger to life, super. Risque d'emprisonnement. Donc je me jette là comme ça. Non non, attends. Si c'est ça. Bon bah les gars, hein, Geronimo, hein. Ah mais ok, j'ai compris. Si j'avais pas lu le panneau, si j'avais pas poussé le levier, je serais tombé dans le tuyau et je me serais retrouvé coincé de l'autre côté, je pense. Ça devait être ça. Ok. Bah ouvre. Mais quoi? C'est une blague. Bah quoi? Bah je suis mort.
Putain, comment ils m'ont arnaqué ces bâtards? Attends, mais l'eau continue à monter là? Mais je fais comment là? Mais wesh! Par là, vite, 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 vite. Putain, mais c'est bien ça, RT là, pour aller plus vite dans l'eau. Allez, allez, allez là. Putain, mais tu vas pas du tout plus vite, hein. Ah merde, je suis en train d'étouffer. C'est où, c'est où? C'est par où? Là, vite, 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 vite. Putain. Allez, là, c'est juste là, tu vas pas mourir maintenant. C'est bon. Hop là. Eh bé. Il s'en passe des choses dans cette station là. Pas vraiment dans le registre de l'horreur, mais... Keep closed at all time. Ok. Donc je passe sous l'eau là. On voit rien. Qu'est-ce qui se passe là? Putain, mais remontation. On voit rien. Wesh. C'est où là? Faut que j'aille à l'aveugle genre. Non, c'est bon. On voit un peu quand même. Putain, je vois même pas la surface, frère. On est où, là? On avance. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais me noyer. Remonte. Oh, le bordel. Christ. Fucking oil. Encore? Encore un cri? Ils ont pas fini de crier ceux-là? Ok. Ouais, bon, bah les niveaux s'enchaînent les gars, hein. Vraiment, Dieu merci que les jeux d'horreur soient courts, hein. Ok. Donc là, il se passe plein de trucs. Est-ce que c'est... Hello? C'est quoi ça? Oh putain! Ça y est, ça devient intéressant. Marie? Oh putain! Ah, le bâtard. T'es sûr? En plus j'étais trop... Aïe 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 aïe. J'étais beaucoup trop chill là. Ok. Ça dit quoi là? Ah, c'est le même truc. C'est le même truc. C'est là. Hop là. Ah, donc c'est bien, ils ont un petit peu switch it up là. Évidemment, on était déjà en bas donc on n'allait pas redescendre. C'est quoi ce truc? Just yet.
Ok. Ah bah maintenant il faut remonter par contre. Gravir la colonne B. Hop là. D'ailleurs les amis, j'en profite de faire une annonce. Tous les habitués des lives, n'hésitez pas à vous pointer là sur les prochains. Je vais vous donner le rôle VIP. Tous ceux qui sont là depuis des années là, vous méritez. J'ai découvert qu'il y avait le rôle VIP sur Twitch. Avant que je devienne famous et que je vous oublie, venez prendre votre petit rôle. Ah ok, c'est ça là. Ah mais c'est la fin du jeu là, je pense hein. Imaginez, c'est le tunnel de lumière quand tu te réveilles du coma. Non, pas ça, pas ça. Mais vous conviendrez que le choix de musique est étrange quand même, hein. Le choix de musique est quand même étrange. Bon, après, c'était un truc joli, lumineux et tout. Donc, c'est vrai que c'était pas non plus. C'était pas non plus approprié de mettre une musique inquiétante. Hein. C'est quoi ça? Waste on the floor, accident, gala? Genre, tu te casses la gueule? Confined space can be lethal. Don't get into tight spot. Ok. Pourquoi il fait froid là comme ça? C'est là? Non, il y a un truc à faire. C'est quoi ça? Ah! Ouais, ok, il faut se réchauffer. Mais du coup, j'ai dit que j'allais vous mettre VIP, mais comment je fais pour vous mettre VIP globalement? Peut-être qu'il faut que je note. Peut-être que je note vos pseudos et que ça se fait hors live, je sais pas. Mais je vous mettrai VIP, les gars. Vous le méritez. Ah, Roy? Ah, ouais. Roy, fuck's sake. Sorry, pal, I've been out of the shop since I last seen you. Vous voyez le truc là-bas là? A cunt tried to go without us, but well, didn't he work out well for him or the bird? Bloody hell, Cass. Is anyone alive? Aye, I saw Finley. We had to get the jennies on, and Brody as well, helping with the tension legs. Do you know what? I'm a fucking rig expert now. Told you to take no time. Yeah, I'm glad you've not been alone out there. Those two are alright. I saw O'Connor. He's one of the things, but. I thought, oh fuck, I don't know what I thought, but whatever it is folk are being turned into, there's something of them still in there. What's going on? Roy? It's alright. It's just me being clumsy. Once I get my shot, I'll be right, it's rain. Do you need me to come and get you? Oh, no, I can do it. Show this rig out. And the way to get us home. See you girls. Alright? Hi. You're a good lad, Kaz. That's why Suze loves you.
does, you know. She really loves you. Cass? Aye. Sorry, I have to go, Roy. Will you make it to the cabins all right? Yeah, I'm on my way now. You, be on yours. Ah, mais lui, depuis tout à l'heure, il a pas atteint les cabines encore. Remember, Jesus loves you, Cass. Jesus? What? Jesus qui vient faire un feat dans le jeu de manière inattendue. Allez. Bon, les acteurs sont incroyables. Hein. Franchement, je suis impressionné. Genre, c'est au-dessus que du niveau cinéma. Hein. Hello? Hello? Anyone there? Ah, c'est trop bizarre. Zeus, is that you? Mais voilà. On s'entend nous-mêmes. Zeus. Oh non, me faites pas ce coup-là, les scénaristes, frère. Vous avez écrit... Ils ont écrit des super dialogues et tout. Bah, le scénario est pas exceptionnel, mais les dialogues sont pas mal. Les interactions de personnages sont réalistes et tout. Juste, ne me faites pas le coup de on est dans un coma et que vraiment, c'était un vrai tremblement de terre. Non. Je sens que ça va être ça. Et que le truc, là, qui fait qu'on est recherché par la police... Ça a un rapport avec l'horreur qu'on voit là. Genre on a fait un crime ou un truc, je sais pas à quoi ça peut être connecté. Genre qu'est-ce que ça peut représenter ces machins là? De la drogue? De la drogue peut-être parce qu'il y avait un gros truc lumineux là, il y avait une petite musique genre... Le mec s'envoyait... J'allais dire de l'ecstasy mais non mais de l'héroïne peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut être ça? Ça pompe comme ça hein. Je sais pas. J'essaye de voir si c'est une métaphore d'un truc. Là, il faut prendre un chemin vers le haut de la torchère. Ça ressemble clairement à la fin du jeu, tout ça. Hein. Ok. Did you see any others? You mean anyone alive? Well, I spoke to Roy. He's no doing great without his insulin. And I've no idea where Finley is now. I spoke to her a few minutes ago. She's stuck until she gets past Rennick. Or what used to be Rennick. Feels like everybody's deed are worse. I mean, I don't know about your side of the pontoons, but where I was, the oil tanks are burst. And I think there's a gas leak. I mean, I'm looking for a fucking bright side here. Well... Let's cross that bridge when we come to it, all right? Right now, we have to deal with the stack. That noise! Aye, okay. All right, the stack. I'm kind of thinking the flare shouldn't be looking like that. No. Main feed's ruptured. It's burning out. It could get worse. And if it does, it could spread to the derrick and cause an explosion. Right, so we're fucked. Again? Not if we switch the flare onto the auxiliary gas pipe. If you go over to the processing quad, I can... What? Have you seen it out there? Oh, aye, it's quite nice in here, you know, maybe we should swap. You can't work the controls, Cass. Otherwise, aye, of course, I'd go myself. Christ. All right, all right.
What am I doing? You need to get there and find the diverter valve, main to the auxiliary. It's on the middle floor, flare side. I'll ignite the stack from here. Right. If I can't do it, then you'll need this. Jesus, I'll be on the tannoy if you need any help. Good luck, Kaz. Je te jure, on a réparé chaque petit recoin de la plateforme, quoi. C'est abusé. Bon, je pense qu'on va faire une petite pause ici. Je vais peut-être aller manger, mais clairement, on va finir ce soir. Note de film, les Brody, j'ai récupéré la radio, mais pas de signal, rien. Tu sais ce qu'on doit faire? C'est notre putain de problème. F. Qu'est-ce que... Ok. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Très bien, très bien. Ok. Bah les amis, c'était notre deuxième épisode Still Wake the Deep. Il n'y aura pas de quatrième. Mais on dit jamais deux sans trois. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Que ce nouveau format vous plaît. Voilà. Là, normalement, bah, en intégration, je pense qu'on est beaucoup plus immergé dans l'ambiance. Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. En tout cas, on se retrouve très vite pour la suite. Ciao. Je me suis un peu précipité. Voilà, contrôle échappe.